Salut à toutes, c'est Rodafer, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale, vidéo Clash Royale, où on va rusher avec le deck que j'avais présenté une fois. J'ai changé quelques cartes, j'ai changé la bûche par un mousquetaire, et avec ça on va aller combattre. Après j'ai des petits coffres à ouvrir. Et on suivra le coffre à couronne, et après on s'ouvrira tout, et on verra si on pourra le faire, le coffre à couronne. Et du coup, on y va, on commence. Alors, là on a le géant squelette. Alors, on va voir déjà s'il commence. Ok, il commence. On va quand même mettre notre squelette géant. Alors là, ensuite, on va mettre la moumou. Donc la mousquetaire qui va taper sur le PK. Et là, normalement, la bombe du géant squelette, voilà, qui tue la sorcière, c'est exactement ce que je voulais. Ok, alors on défend avec une armée de squelettes. Ouh, il nous met un zap un petit peu tard. Et par contre, les gobelins qui grattent. Ok, alors là, on va mettre la tornade pour activer la tour du roi. Hop. Et c'est bon, on a la tour du roi qui est activée. Alors là, on va partir sur notre zapir. Alors, je sais qu'il va nous mettre son PK. Ah non. Il nous met pas le PK. Alors, on va mettre notre squelette géant et notre bébé dragon, c'est au cas où il nous attaque avec des gargouilles. Enfin, il défend notre zapier avec des gargouilles. Mais non, pourquoi t'as tiré? Il est bête. Non, je préchote un truc qui était nul. Non, faut qu'il mette un coup. Vas-tu le mettre? Non, il l'a pas mis. Normalement, là, on tue tout. Voilà, on a tout tué. Bon, on n'a pas mis de coup de zappi, malheureusement. T'as un mousquetaire qui est niveau 4. Faut vraiment que j'améliore. Ok, on passe en élixir x2. Il nous met des squelettes pour gérer la mousquetaire, mais ça n'a rien fait. Donc, alors, on part sur zappi, squelette géant. Oh, il met son PK de l'autre côté, c'est parfait pour notre combo. Par contre, il faudra quand même aller défendre aussi. Hop, on va mettre bébé dragon. On va mettre les gargouilles. Alors là, on va mettre ça. C'est bon, il a dépensé son zap. Et là, normalement, le zappi qui va mettre un coup. Oui, sur la tour du roi. Qu'est-ce que je dis? Sur la tour tout court. Hop, on met la tornade, comme ça le cochon il s'approche pas. Je voulais pas mettre mon squelette géant, je vais mettre les bébés dragon. Bon, puis c'est pas grave. Alors là, on va pas mettre le zapir. On va mettre tout le reste. Hop, là, normalement, le squelette géant qui meurt. Et qui va exploser la sorcière. Qui n'explose pas la sorcière. Ok, alors il nous met un PK, on défend un zapir. Alors là, j'attends qu'il mette son... Ah, merde. Alors là, c'est parfait qu'il ait mis son zap. Hop, le squelette géant. On va attendre que tous les squelettes meurent et que le bébé dragon prenne le focus, voilà. Le squelette géant. Hop, on va mettre de la tornade, comme ça, s'il nous met un truc, ils vont se coller à la tour. Et avec les dégâts de zone du zapi... Et on gagne avec le deck Zappi Squelette Géant. Donc, ouais, donc ça nous fait qu'une couronne. Ouais, je pense pas qu'on va réussir à se faire le coffre à couronne. D'ailleurs, je crois que je voulais pas montrer qu'on avait le coffre de clan aussi. Ouais, et puis vous savez quoi, on va partir tout de suite, puisque ça m'étonnerait qu'on arrive à faire le coffre à couronne. Hop, on commence, les coffres gratuits, 80 or, un chevaucheur et 10 gobelins à lance. Deuxième coffre gratuit, 81 or, une mousquetaire,
10 esprits de glace. D'ailleurs, on va l'améliorer dans le mousquetaire. Ensuite, 65 or, une roquette, des barbares d'élite. Maintenant, le coffre en or. Oh, ah non, non, il manque des, voilà, des communes. Maintenant, on va aller sur le coffre de clan. On a 270 cartes avec 2 épiques et 27 rares. C'est parti. Ok, 1620 or ou une pierre tombale, ça part mal. 3 cabanes à gobelins, 52 gens royales, 85 gangs de gobelins, je crois qu'on a toutes les communes. Eh ben non, bien sûr. On n'a pas toutes les communes, 103 gobelins à lance, 23 gobelins de sarbacane, ça c'est cool. Et 3 gardes, on peut passer niveau 3. Donc, alors, on va continuer. Ok, alors là, on a une bonne main, une plutôt... non, ça se dit pas, j'allais dire une plutôt bonne main. Je sais même pas si ça se dit. Hop, on met le zapir. Ok, une mine mousquetaire de l'autre côté. Vous savez quoi, on va pas la défendre, la mousquetaire, enfin, en tout cas pas maintenant. Ok, s'il veut. On va quand même mettre des gargouilles et on va préparer notre zap, puisque je sens l'armée de squelettes venir, là. Ah! Bon, au moins, on aura le squelette géant qui part sur la tour. Alors là, on met la mousquetaire pour défendre la méga. Non, la méga, j'ai dit. Il est nul, ma mousquetaire. Ok, alors la mousquetaire, est-ce qu'il va la défendre? Ok. Hop, on zappe. On va repartir sur un zapir. Hop. Tu vas pas défendre la moumou. On va la laisser taper pour le moment. Hop, squelette géant. Et après, on va mettre nos gargouilles. Puisqu'il va encore nous mettre sa méga. Le Zappy, va-t-il mettre un coup? C'était pas de ce côté que je voulais que tu mettes le coup, mais c'est pas grave. Oui, le coup du Zappy. Et grâce à ce... Grâce à ce coup, on prend la tour. Ok, alors, on pose le bébé dragon. Hop. Ouais, alors, il défend. Ok, parfait. Hop, on zappe. On met le zapir. On met notre squelette géant. Là, on va attirer la Valkyrie ici pour qu'elle se prenne un coup de zapir. Voilà, hop. Comme ça, on défend tout en restant du même côté. Hop, le zap. Alors, est-ce que le squelette géant va aller sur la... Ah non, malheureusement. Par contre, le Zappy qui devrait mettre un coup et qui ne met pas de coup, malheureusement. Ok, alors là, on va mettre notre squelette géant, la tornade. Et là, c'est parfait. On va mettre un Zappy quand même au cas où. Ouais, donc les amis, on gagne encore avec une couronne. Alors, on gagne quoi comme coffre? Coffre en argent. Allez, on repart. Donc, alors, on a notre squelette géant et le zappy qui va arriver. On va commencer par le mettre, le squelette géant. Ok, il nous met un bébé dragon. On attire tout ça, la tornade, le zap. Qui ne suffit pas malheureusement, et du coup il va nous faire très très mal. Ah, c'est vrai que j'aurais pu attirer le fuel gobelin sur ma tour du roi. Ou par. Oh oui, du coup là. Non, le squelette géant qui passe pas. Ok, alors après on va partir avec un zapir. J'espère qu'il a pas le zap.
Ok, alors là on met ça, parce que j'ai pas mon zap. Ah! Venez là, mes amis! Hop, c'est bon. Ils sont morts. Alors la mousquetaire, est-ce qu'il va la laisser de taper? Il va mettre ses gobelins à lance. Ah non. Bah nous on met notre armée. Non, là, il devrait mettre son fût. Mais pas son fût. Donc, bon. Il a les flèches. Du coup, ça m'étonnerait qu'il ait le zap. C'est parfait. Du coup, on pose le zapir. Ok. Alors, les trois. Je vais dire les trois mousquetaires. Mais c'est un squelette géant. Hop là, normalement, il devrait mettre ses barbares. Va mettre la tornade. Qui n'a servi à rien. Non, les apiques, il va pas mettre de coups, malheureusement. Ah, mais il m'énerve avec ça, là. Hop. Par contre, tu vas. Oh, pourquoi j'ai mis l'armée de squelettes? Pourquoi j'ai mis l'armée de squelettes? Il va me mettre son prince. Hop, bon, c'est pas grave, on met le zapir. Ah, tu vois, j'en étais sûr. Hop, on attire le. Je suis nul! Je désespère. Ah, mais il m'énerve avec son gel. Explos, non. Bon, alors, ça m'étonnerait qu'on gagne comme ça. Ouais, bon, normalement, le zapi qui devrait mettre un coup, qui ne l'a pas mis. Bon, alors. Bon, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Allez, à liker la vidéo. Et avant de partir, j'aimerais vous demander si vous avez remarqué un truc dans la dernière vidéo et dans celle-là aussi. Il y a une. En ce moment, il y aura une meilleure qualité de vidéo. Dites-le dans les commentaires si vous l'avez remarqué par rapport à la dernière vidéo et à celle-là. Et donc, on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao!